Bonjour, Aluna Amuri. Donc je viens vers vous pour vous faire une review d'un film que j'ai bien apprécié, que j'ai vu, donc Infinite, sur Amazon Prime. Et donc, c'est un très bon film, enfin très bon. Non, elle est bien, elle est bien. J'ai bien aimé, vous pouvez le voir, hein, je vous le conseille. C'est en fait un film historique, hein, basé sur la vie réelle de Matt Digger, hein. Donc, en fait, le concept, c'est, bon, les gens se réincarnent, comme tout le monde le sait, et du coup, il y en a qui se souviennent de leur vie passée. Et donc là, en fait, il y a deux. Donc, en fait, c'est pas tous. Il y en a qui se souviennent, il y en a qui se souviennent pas la plupart, mais genre, il doit être pas 1000 dans le monde, je sais pas. Et donc, ceux qui se souviennent, du coup, se divisent en deux factions. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Ceux qui sont pour, c'est les Believers, qui pensent que c'est une mission sacrée pour améliorer l'être humain. Et par contre, il y a les nihilistes. Nihilistes qui, eux, pensent que c'est une malédiction et qu'il vaudra mieux en finir une fois pour toutes. Voilà. Donc, sont représentés par les deux acteurs principaux. Donc, l'acteur principal numéro 1, c'est Mark Wahlberg, qui joue le rôle de Evan McGregor. Evan McGregor, c'est pas son nom c'est Evan quelque chose, mais voilà, pour retenir Evan. Et il y a l'autre acteur, c'est Ngio Ofor quelque chose, c'est un acteur noir africain excellent. J'ai adoré sa prestation. Et d'ailleurs, pour une fois, ça change, parce que chaque fois, ils mettent des noirs pour mettre des noirs, ils sont là genre, oh, tiens, on a mis un noir, on a mis un, tu vois, genre, ah ouais, on fait un film sur Clovis, c'est un africain, tu vois. C'est un peu ridicule. Mais lui, par contre, moi, j'ai l'impression qu'il joue le rôle d'un méchant, ce qui est bien parce que c'est toujours. C'est sûr pas, c'est par rapport au woke, par rapport à. Tu vois, ils ont peur de mettre un noir dans un rôle d'un méchant. Quoi, il est noir, il est méchant? Raciste! Tu vois? Lui, franchement, en plus, il joue super bien, je trouve. J'ai adoré sa prestation. Et Mark Wahlberg aussi, oui, ça va, c'est un héros, quoi. Voilà. Ça fait penser au mec qui joue dans Black Panther, je sais pas pourquoi. J'ai bien aimé sa prestation aussi, mais passons, on va reparler du film. Donc là, il y a donc deux sections, factions plutôt, deux factions qui sont rivales, mais à travers l'histoire, tu vois, c'est genre. Parce que tu sais, du coup, tu. Matt Trust, tu vois, il vit, je sais pas, je me rappelle plus très bien, mais voilà, ils sont, tu vois, genre, ils vont être ennemis sous. En Égypte antique, ils vont être ennemis à la Renaissance, tu vois, tu vois. Mais bon, c'est pas comme les Highlanders, quoi, si tu leur coupes tu leur plantes le cœur, ils meurent. Mais bon, par contre, ils se réincarnent. Voilà. Et donc, en fait, les Infinites, là, donc c'est le nom du film, comment ils s'appellent, là, les nihilistes, ils veulent détruire la race humaine, l'espèce humaine, ils disent, en utilisant un œuf. Je sais que ça sent un peu bizarre. Mais Egg, c'est le nom de la machine infernale qui détruirait l'ADN. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'ADN, ça fait penser à ça. Je veux pas que ma vidéo soit censurée, mais ça fait penser à ça. Donc voilà, et en fait, et ce qui est marrant aussi, c'est que donc ils veulent utiliser leur œuf, ok, bon. Ben, donc, du coup, l'idée c'est que les Believers vont les en empêcher, enfin tenter de les en empêcher. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ça, je ne spoil pas. Mais du coup, il y a, comment il s'appelle Moi, je me disais, tu vois, ils utilisent une machine, ils ont une arme, le détrôneur, qui te tire dessus, tu meurs à tout jamais. D'accord. Je me suis dit, les nihilistes, ils sont si nihilistes que ça. Ben, ils se tirent une balle dans la tête, ils font, ouais, salut, monde cruel. C'est fini. C'est fini. Ils sont détrônés, c'est fini. À la limite, tu vois, ils utilisent les autres, ils veulent pas se suicider, tu vois, genre une balle dans la nuque, un truc comme ça, mais bon. Ouais. Enfin bon. C'était la remarque que je m'étais faite, hein, c'est. Petite incohérence, quoi, tu vois. Petite incohérence. Mais sinon, le film est sympa. Voilà, je vous le conseille. Sur Amazon Prime, il est disponible aussi sur d'autres plateformes, si vous voyez ce que je veux dire. Clin d'œil, clin d'œil. Non, moi je l'ai eu Amazon Prime. Hein. Client Amazon Prime qui paye, tu vois, rubis sur l'ongle. Je fais comme ça. Voilà.
Bon ben voilà, ça sera tout. Écoutez, likez, partagez, subscribez, abonnez-vous, donnez de l'argent, faites des trucs. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Surtout un bon repas, il faut bien manger. Bon, j'arrête, ciao.